rapport à vos dernières règles. Mais vous m'avez dit 27 juillet, le premier jour des dernières règles. Ça voudrait dire que vous êtes actuellement à 10 semaines déjà. Donc, il y a encore une solution si vous avez envisagé de faire un avortement. C'est ça que vous désirez ? Oui. Moi, c'est mieux que je l'enlève. Comme ça, on ne parle plus. Je sais que ça se fait pas, mais je me trouve dans cette situation comme ça. Je sais pas comment je vais faire, c'est ça. Il est au courant de votre projet, votre mari ? Vous lui avez dit que vous souhaitiez peut-être avorter ? Je peux lui dire maintenant. Je peux un peu moins. Vous avez peur qu'il vous jette à la rue, c'est ça ? Voilà, ta femme est enceinte de moi. Mais personne ne peut dire de qui vous êtes enceinte. Admettons que mon mari, il veut faire une prise de sang pour voir le groupe sanguin du bébé. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Vous voulez parler d'une recherche en paternité, c'est ça? Oui. Non, on ne fait pas des recherches en paternité comme ça. Il m'a dit l'ADN. C'est lui qui connaît tout ça. Je sais. Il y a une raison, il faut qu'il y ait une demande de la justice, hein. Une plainte qui justifie qu'on recherche la paternité. Il faut vraiment qu'il y ait une raison pour ça. Je comprends. Si l'autre là, celui qui déjà il m'embête et tout. C'est-à-dire? Il appelait chez mon maman à la maison, il a tout raconté à mon mari. Il a dit votre femme est sortie avec moi, elle a menti tout le temps. Que ça faisait 5 mois que je sortais avec lui, c'est quoi, et tout ça.